بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos questions aujourd'hui, basant l'eau, ça qui nous fait une causée la fois passée, alors l'importance relation familiale, relation disant. C'est un hadith qui nous est cité, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui a envie deux mérites. Il a envie de gagner deux mérites dans préserver relation familiale. Des cadeaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne lui. Qui paye aucun moyen qui nous gagne ça des cadeaux, l'accepter à travers ça. Qui ça des cadeaux là, ça? Dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, il y a, c'est lui qui maintient le lien familial, préserve le lien familial, Allah pour donner des cadeaux. Alors donc, ça des cadeaux là, c'est lui qui envoie sa réponse là. Tous les deux premiers, Inch'Allah, il vous gagne ce cadeau avec Bayreza Serif, Inch'Allah. Et aujourd'hui, nous vous posons une question qui est très importante. Nous vous posons l'histoire de sa mouflis. Mouflis, qui veut dire mouflis, c'est un quelqu'un qui ne fait faillite. Qui veut dire quelqu'un qui ne fait faillite? Un dimon tiena, après il ne perdit tout. C'est ça qu'appelle faillite. Mou tiena une petite chose, après il ne perdit tout. Surtout quand nous peut causer ça, nous peut causer la richesse. L'argent. Donc, comme on dit, un tel, il fait faillite. Dans mon esprit, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent, il fait faillite. Il n'est pas dans l'argent. Dans l'akhirat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il pose question sur Ban Sahaba, est-ce que je te connais? C'est lui qui finit faire faillite. Ban Sahaba finit réagir, comment nous supposer réagir? Je dis, il y a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un dit, il fait faillite, ça veut dire qu'il est dans l'argent. Il ne piège tout sur l'argent. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit non, il n'y a pas de cause concernant ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cause concernant faillite de dunya. Il n'y a pas de cause faillite dans l'akhirat. L'eau dunya, quelque chose qui est plus précieux qui nous capable, c'est nous l'argent. Parce qu'avec l'argent, par l'eau d'Allah, nous avons fait tout, quelque chose qui nous envie. Mais quelque chose qui est plus précieux dans l'akhirat, c'est quoi? Action. Nous avons une bonne action. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pécose concernant celui qui finit perdit tout ce bon action. Il vient devant Allah avec des tonnes et des tonnes de bonnes actions. Sauf qu'à la fin, il fait faillite. Il fait faillite devant Allah. Tout ce bonnes actions disparaît. Comment ça? Alors, nous devons comprendre ça, surtout aujourd'hui, frères en islam, pour qu'il ne nous pas répète ça, ça irait. Ça, dimon là, le fin fait plusieurs erreurs. Nous ne pouvons pas rentrer dans tous les erreurs qu'il fin fait, mais un en particulier. Erreur qui veut dire qu'il fin mal servi sur la bousse. Il mal servi sur la bousse. Ça, la bousse là, ça même qui se plie dangereux qu'il y a ça. Nous disons à cause de l'eau là. Ça même pas si l'écho, plus dangereux qu'il y a. Plus dangereux qu'il a mis ça. Plus dangereux qu'il a les pieds. Ce dito qu'il y fait et conséquence qu'il est capable de subir à travers, ça la bousse. Pour cette raison que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, tous les matins, quand nous l'avons dormi, nous pas tant l'inou. Nous l'écho, il communique un à l'autre. Nous l'amé, il communique avec nous les corps, nous les pieds. Je te communique. Comment je te communique? Allah subhanahu wa ta'ala, tout seul connaît. Mais je te communique tous les matins. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, quand
enfants Adam, veux dire insan, quand arrive le matin, il est dormi, فَإِنَّ الْأَعْضَاءُ تُكَفِّرُ الْلِسَانِ. Tout bon membre, les corps, ou la main, ou les pieds, ou les oreilles, ou les yeux, tout bon membre, ou les corps, je cause avec la langue. Je te mets en garde la langue. La main là, il cause avec la langue. Les pieds là, il cause avec la langue. Les yeux là, les oreilles là, il cause avec la langue. Dans façon qui Allah subhanahu wa ta'ala, tout seul connaît. Qui se dit à la langue là? Je dis à la langue là, ittaqillaha fina ya lisan. Paix Allah à cause nous, oh la langue. Paix Allah à cause nous. Parce que je te paie. L'âme là, il paie. Il paie son créateur. Il paie attention, il y a le dans l'enfer. Il paie là, il y a le dans l'enfer. Tout nous bannent partie l'écho, comme si c'est ban membre indépendant ça. Je te paie attention, je ne pas faire rire, elle brille les autres. L'isier fait rire, elle brille la main. La main pas d'accord. La main fait rire, elle brille les pieds dans l'enfer. Les pieds pas d'accord. Mais nous avons un seul écho, malheureusement, pour les autres, pour ça, ban membre l'écho. À cause ça, qui, je te paie reproche, je te paie mettre en garde ça la langue, je paie Allah cause nous. Il ne faudrait pas à cause toi qui nous a brillé dans l'enfer. Il ne faudrait pas à cause toi la langue qui nous a brillé dans l'enfer. فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكْ. Nous, avec toi, nous sommes seuls, ça qui te pour faire, il pour répéter quitte l'eau nous. Ça qui te pour causer, pour répéter quitte l'eau nous. فَإِنْ إِسْتَقَمْتَ إِسْتَقَمْنَا. Si tu es droite, nous pour droite. Ça veut dire si la langue là, elle est droite, qui veut dire droite, il cause quelque chose qui est bien causé. Il pas cause quelque chose qui n'est pas supposé causer. Alors, ban l'éco, membre l'éco, là, je veux dire, istakam nanou pour droite. Wa ini awajajda, mais si tu travers, i awajajda, nous aussi nous venons travers. La langue, il n'est pas zis pour amener l'éco là entier dans l'enfer, mais il fait l'effet, l'eau ban membre l'éco. Nous, la langue, l'in a l'effet l'eau nous l'amé. Nous pas qu'on causer, nous l'amé, nous pas pour qu'on sévi nous l'amé. Nous pas qu'on causer, nous pas cause quelque chose qui besoin causer, nous pas pour qu'on sévi nous les pieds. Nous pas pour qu'on sévi nous oreilles, nous pas pour qu'on sévi nous les yeux. Ça veut dire, ça, tous les matins, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui pas cause pour son passion, peut dire nous. Comme ça, l'est important, ça, organe. Pour nous prendre compte la langue. Combien références en a la langue? Beaucoup de Coran, de Hadith, beaucoup de guidance, de conseils qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre concernant la langue, de éloges qui Allah fait faire concernant qui fait conserver sur la langue, et aussi de guidelines qui Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer nous pour nous pas servir nous la langue d'une mauvaise façon. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتِ. Ben qui pense à Allah beaucoup. Parmi la dame, la langue. Allah fait cause bon l'eau, c'est une question qui est noble. Mais aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous quand nous gagnons affaire avec un jahil. Ici, jahil, ce n'est pas un ignorant, un idiot. Vous connaissez, l'ignorance, elle a plusieurs degrés. Tout le monde ignore d'une façon. Mais idiot, non. Idiot, c'est quoi? C'est un imbécile qui content peut assister alors qu'il n'est pas connu rien. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit à nous dans le Coran. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَ. Quand un idiot cause avec eux, discute avec eux, eux termine de bonne façon. Qui veut dire dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fin cause, ban causé, fin mettre en garde concernant la langue, fin honore, ban jivon qui servit la langue bien, ainsi que dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, c'est lui qui croit dans Allah, dans son unicité et dans le jour dernier, falyakul khayran, qui lui cause bon, ou li yasmut, ou bien li, garde silence. Les garde silence.
Quand nous prions dans pour causer, nous gardons silence. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Man samata naja. C'est lui qui fait une garde silence, il fait une fière victoire. Et même comment nous t'y causer, semaine avant, Allah subhanahu wa ta'ala fait une promette, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait une promette, une place dans le milieu du paradis. Pour celui qui évite discussion, même s'il est la vérité. Pas pour discuter. Parce qu'il peut pas tout place qui nous discuter. Pas tout moment qui nous fait débat, nous causer. Et dans sa place, et dans moment, pas sur l'air. Et dans bonne place, pas sur place. Mais il y a nous garde silence. Ça, la langue, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le modèle. Il s'y peut contrôler sur la langue. Et il s'y peut faire sur la madame contrôle sur la langue. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Souban madame, c'était ban première école prophétique. Ban élite, Souban madame. Dans la connaissance et dans la pratique, ban madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ban madame ordinaire ça. C'est pas simplement une épouse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Non. C'était ban élite. Alors, tous les jours, formation dans la case Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois, il y a une erreur, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donne-nous une formation. Pareil, comment? Un événement, c'est arrivé, quand un juif fait une rentrée. Il dit, Assalamu alaik. Une cause est là. Assalamu alaik. Assalam. Sam veut dire l'amour. Salam veut dire la paix. Le juif là fait une envie, envoie malédiction au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit Assalamu alayk. Parce que si vous pas pour attention, pas pour qu'on fait la différence entre Assalamu alayk et Assalamu alayk. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait une connaît, qui est juif là peut dire, il dit wa alayk. Et pour l'autre ici pareil. Mais Aisha radiallahu anha, il fait écoute bien. Pas salam qui juif l'a dit, salam l'amour. Aisha radiallahu anha fin réagir. Il dit l'amour l'auto-même, enfants pauvres et enfants zakou. Enfants pauvres et enfants zakou. Qui fait l'un des autres enfants pauvres et enfants zakou parce qu'il va nous juif. Allah subhanahu wa ta'ala, tu transformes les autres en sept. فَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ Tu fais ban ancêtre, vin, ban zako et ban pok, comme punition. Aïcha radiallahu anha, c'est la connaissance. L'une révoltée parce que, ban une cause, il invoque l'amour, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, soumissier ça et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en colère. Et ça qu'il dit, il peut montrer son colère pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, le prophète sallam pas d'accord avec sa façon de faire. Il dit non Aïcha, pas comme ça. Pas comme ça qu'il fait. Pas service à la langue là, même tolo la vérité, pas dans sa façon là qui causait avec Djimoun. Même dans le basinaz, un Djimoun qui va dire dans le basinaz, mais un petit moquerie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, encore Aïcha radiallahu anha. Aïcha radiallahu anha, comme si l'épouse qui est vraiment, veut dire, influente. Partout, veut dire, où trouve-t-il dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il fait une séquence sur l'autre madame, Safiya radiallahu anha. Il dit, tu madame, l'un petit couteau, ça. Parce que Aïcha radiallahu anha, c'est une belle madame, jolie madame, bien bâtie, intelligente, belle. Safiya radiallahu anha, petit, c'est une juive, d'une grande famille juive. La laline embrasse l'islam, il finit une épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est qualité. Aïcha radiallahu anha, tu content, taquine le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas, j'ai dit, tu couteau là côté. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, ya Aïcha, badinaz. Mais c'est ma Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya Aïcha. Ô Aïcha, لقد قلت كلمة tu fais une parole. لو مزجت بماء البحر لمزجتها. L'écume de la mer, sa parole-là, lui, veut dire, lui suit passe l'écume de la mer.
Imaginez, même dans le basinage, on dit qu'on a un contrôle sur la langue. Dans le collier aussi, on dit qu'on a un contrôle sur la langue. Parfois, dans le collier, on est capable de causer une cause qui est grave. Mais causer là, quand on finit de causer, finit de causer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit hier, il dit à Allah, son créateur, dua. Il dit, « Ya Allah, moi, un humain, parfois, me fait coller. » Quand Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, de coller, il dit une parole, parole-là, il est une vraie. Parce qu'il prophète, ça. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, il y a un collier avec ce bon sahaba. Il dit, « Je t'en Thaqulat ka ummak. » Ça, c'était un style d'un ban, une façon causée par un ban arabe. Comme si, tu es un bête, tu bête, toi. Ou bien, d'une façon, dans nos langages, nous avons un mot, mais en arabe, c'est un mot assez sévère. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rab, quand je cause, transforme mon cause, si mon cause est quelque chose qui est grave concernant mon sahaba, fais-le vivre un dua pour eux. Tension, de coller, il y a cause, ça porte le sahaba. De coller aussi, nous disons, contrôle-nous la langue. Pas ici, dans. Veut dire non normal de coller, causer là, il y a ce sens, quand on finit causer, on dit, de coller, on dit les affaires. Après, on dit, moi, tu peux faire coller, causer là, il reste. C'est pour ça que dans l'islam, il y a la loi, il est applicable même de coller. Talak. Il y a certaines collées qui talak, il compte. Mais fais attention. Ça veut dire, la langue là, même de coller, nous disons, contrôle-le. Dans le badinage, on a dit qu'on met joke. Quand on fait dit qu'on gagne rire. Mais on a eu de mal aussi longtemps qu'il n'y a pas un métier clown. Ça n'a pas gagné droit. Pas qu'à la grammaire tantôt, on existe rire, on existe badiner, on existe met joke. Ça, il n'est pas défini personnalité d'un musulman. Mais parfois, il est bon met joke. Parfois, il est bon rire, badiner. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est content badiner. Mais c'est mal dans le cadre. Si vous êtes façon Rasulullah sans basiner, vous ne pouvez pas vous croire. Vous ne pouvez pas vous croire façon les basiner. Mais c'est pas dans le cadre, mais c'est pas tout, pas tous les heures. Un coup, c'est pas loin, un moyen de basiner, un coup. Mais tu fais basiner. Le basiner avec une vieille femme. Une vieille femme vient dire, « Ya Rasulullah, je peux rentrer dans le jannat. » Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit, « Vieille, je ne peux rentrer dans le jannat. » Après, il commence à rire. On s'en commence à rire. Madame Lang, elle dit, « Non, tu peux venir une belle fille. » Une jolie madame te pouvine, jeune. Après, il commence à rire. Pareil comme ça même, ce camarade, bien avant, une vine vanne, l'homme en 110 dans Madina. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il dit que ce bon sahaba, un tel une vine, non, il dit, dans bazar. Il ne passe pas derrière, il vient derrière un vieux bolom. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien solide. Il bloque le bolom là par sur les bras, comme un lévi dans l'air. Jack, ça n'a pas été esclave. Un bolom peut lutter, lutter quand il vire trop Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dit, Ya Rasulullah, je peux valer comme tu peux gagner. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit, non, que Allah te voici à toi. Badinaz. Mais seulement, faudrait que dans Badinaz, nous conservions la langue. Faudrait nous conservions la langue. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Wailul liman yuhadithu. Destruction à celui qui quand il causait fayakdhibu liyudhhik bihi alqawm li cause menti pour dire mon gain rier les met un joke menti ou bien dit mon tu connais telles affaires arrivées là tu dit mon commence paniquer moi tu basine toi pas gain droit même de basinage vous êtes contenir ça la langue de basinage vous êtes contenir ça parce qu'il était Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qui dit nous wailun destruction ou bien une place dans l'enfer qui appelle Wail. Pour celui qui, quand il cause, quand il met un dialogue, il cause menti pour dire qu'il gagne rien. Wailun lahu, wailun lahu. Destruction ali, destruction ali. Destruction loli. Même de Badinaz. Qui fait ça, hein? Même de Badinaz? Ce qui est l'islam, citant, je veux dire, extrême comme ça, extrémiste. Combien de crimes arrivés de Badinaz? Hein? Combien de l'ennemi créé de Badinaz? Combien de coups de poing, coups de pied déroulés dans le basinage? Beaucoup, nous vivons, capables de vivre comme ça. Combien, dis-moi, on arrête de causer avec son frère dans le basinage? C'est pour ça que l'islam montre nous.
Même dans Bazinas, connaît qui vous causez. Connaît qui vous causez. Dans le contentement et dans le chagrin, connaît qui vous causez. Même dans le chagrin, dans le contentement, vous connaît qui vous causez. Parfois, arriver qui dit que ce maman est mort, ce enfant est mort. Il commence à crier, pleurer, il commence à causer. Oui, Allah connaît nous souffrir. Un dit que ce enfant est mort, il souffre. Ce monsieur est mort, il souffre. Ce madame est mort, il souffre. Mais il y a une limite qui n'a pas gagné droit à traverser ça. Ça, la langue là, dans nos souffrances, il ne faudrait pas qu'il nous laisse les en dé au contrôle. Et madame, ce monsieur est mort. L'inal côte sur kabar, il peut pleurer, il peut crier. Parce que quand nous peut, veut dire, exprime-nous la chagrin par l'amour qui ken, nous devons être très vigilants parce qu'il est très très grave, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met un avertissement très grave concernant Bandjimoun qui pas connu qui causait, cause pour n'en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Laysa minna, il n'est pas parmi moi. Man latam al-khudud, c'est lui qui t'applique à l'autre quand il peut chagrin. Wa shaqqa al-juyub, il déchire ce linge pour chagrin. Wa da'a bid'a wal jahiliya, et il cause quitte chose pénascence, quitte chose qui Allah pas content. Pas gain droit. Même dans nos chagrins, on peut penser à Allah pour comprendre, ou bien moi type chagrin. Mon monsieur est mort, mon madame est mort à cause ça, moi bien cause comme ça. Non, il n'est pas mort devant Allah ça. Même dans ce moment-là, nous besoin vigilants avec ça la langue, parce qu'il est très dangereux ça la langue. À cause ça, Rasulullah s'est dit, pas parmi moi, ça dit mon azou qiyama, c'est lui qui, dans ce moment de détresse, il cause nonsense. Rasulullah s'est dit, il passe côté un kabar, il trouve une madame. Il peut crier, pleurer côté sa kabar. Apparemment, ce monsieur est mort. Il peut crier côté kabar là, il peut guetter en bas, il peut guetter kabar là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme d'habitude, il passe côté lui. Il dit, il soubiri, prends patience. Prends patience. Il crie. Il dit, saute là les deux. Tu ne connais pas qui peut passer l'eau au moins toi. Mais c'est vrai, il ne te connaît pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne te connaît pas. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il continue à aller. Pas de dialogue, non. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas de réponse là. Parce que ce n'était pas le moment pour qu'il réponde à un djibon là. Parce qu'il s'en comprend, madame là. Madame là, dit, quand je connais qui c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est une cause comme ça, moi, je suis une foule en place. Il dit, je suis galopé, je suis allé, je tape sur la porte, je demande excuse. Il dit, c'est les affaires. As-sabru, inda sadmatil oula. Sabar, c'est seulement dans sa premier choc qui nous gagne là. Ce moment-là, comment nous comportons-nous et comment nous causer dans sa lieu-là, c'est ça qu'appelle sabar. Donc, même dans nos chagrins, dans nos désespoirs, dans nos malheurs, nous devons connaître qui nous causer. Et même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce garçon est mort, Ibrahim radiallahu anhu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un autre garçon, depuis un autre madame. C'est avec Khadija radiallahu anhu qui gagne, et Nadia. 6 enfants, il y en a déjà 7. 4 filles, 2 garçons, il y en a déjà 4 filles, 3 garçons. Mais l'opinion plus faux, c'est 4 filles, 2 garçons. Donc, Qasim et Tayyib. Et ensuite, avec tous les autres madames, il n'y a pas d'enfants. Excepté une seule, dernière Léa. Avec Maria. Maria, c'est une esclave, c'est un cadeau qui l'empereur ou bien le roi d'Égypte qui donne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec lui, il y a des enfants, et même un savant dit qu'il est mort après. Mais, 18 mois, ces enfants-là finissent. Pendant 18 mois, ils finissent avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala enlève-le. Pas laisse-le vivre. Pas aucun garçon, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vivre. Allah se sagesse ça. Que ça c'est lui, puis dans la limite, tu ne peux pas comprendre ça c'est Allah. Quand il meurt, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est très attaché avec sa garçon, imaginez après, combien l'époque, combien de temps, il y a un enfant, un garçon, et au bout de 18 mois, garçon a mort. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut pleurer.
l'homme peut couler de ce lisier. Sur l'équerre, le lisier fait mal. Ben sahaba, il est étonné. Ils ont dit, « Tabki wa anta Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, tu pleurais alors que toi, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, « Al-qalbu yahzan, molekia, il fait mal. « Wal-aynu tadma, molisier l'ilami. » Voilà, n'akoulu illa bima yurdi rabbuna. Mais seulement, ou pas cause, n'en y accepté quelque chose qui Allah content. Ou pas cause, n'en y accepté quelque chose qui Allah content. C'est sa façon-là qui, l'islam fait montrer nous, tenions-nous la langue. Et aussi important, tenions-nous la langue, qui nous pas fait dito d'immun. Une cousine finit aller, la langue, ce erreur est difficile pour réparer ça. La main facile réparer ce erreur. Mon coquin, facile réparer ça. Mon ron, dis mon assolaz, mon dialy, pardonne-moi. Mon baten, dis mon, facile réparer ça. Mon dialy, excuse-moi. Après, mon fait PC avec mon lisier, mon arrête de faire PC. Je fais un PC avec mes oreilles. Je m'arrête. Je suis allé au casino. Je m'arrête allé. Mais la langue, non. Je monte le mimbar ou bien dans une causerie. Je fais une cause mauvaise loin du monde. Je mets une fausse sauce loin du monde. Sans du monde, je persiste là. Je finis de causer moi. Sans dix mounes entendent ça. Ça sans dix mounes là, il y en a allé. Dans ça sans dix mounes là, il y en a 50 qui me connaissent, 50 qui ne me connaissent pas. Ça 50 là, reste dans 50 places dans l'île Maurice. Ils ont fini à aller. Quand ils ont fini à aller la case, ils ont rapporté ça avec les autres dix mounes encore. Après quelques jours, moi le réaliser, moi ne fais ni rien. Comment je réponds ça? Comment je réponds ça, c'est-à-dire? Je ne réponds ça? Je ne réparer ça. Très dangereux ça. Très très dangereux la langue. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour n'en rien dire où. Moi donne une garantie. Le prophète dit moi donne une garantie. Paradis. C'est lui qui tenait sur la langue. Et c'est lui qui contrôle son sexe. C'est lui qui tenait sur la langue là. Il n'a pas servi ça d'une façon qui n'a pas gagné droit. Moi donne une garantie paradis. Pour montrer nous qui quantité. L'importance à la langue pour nous protéger. Parfois, nous l'intention bon nous. Mais seulement parole là, il n'est pas bon. Mais seulement les paroles là, il n'est pas bon. Par exemple, moi, je Bangladesh. Moi, je travaille travail Maurice. Je n'ai pas une cause créole. Je gagne des trois, six, trois cols au pont. Je dis, comment dire bonjour? Ça va, je montre un jour. Je dis, moi, je dis, ça, la bonjour. Mon imam, imam est passé, je dis bonjour. Je lui montre une grosse ouée. Mon intention, c'est quoi? Je dis mon là bonjour, je dis mon là salam, dans l'angage mauricien. Mais c'est pas comme on a allé, je dis une grosse ouée. Imam là, il est pour content là. Mon intention, c'est bon, je peux dire bonjour moi. Mais c'est mon une grosse ouée, ma maïm. Est-ce qu'il ouée là, il vient bonjour là? Il reste ouée même. Ou capable l'intention, bon, mais seulement la parole là, quand il est allé, il fait dito qui quantité qui besoin faire, il finit faire. Ou l'intention, l'autre affaire, mais parole là, il fait dito. Comme ça qui, bien être bien, comme dit certains mandimons, dit à l'un de nous, des oreilles, une seule la langue. Pas de nous, une oreille de la langue. Pour écouter des coups, pour cause un coup. Écoute des coups, qui vous peut dire, ça qui vous peut dire là, écoute-les bien des coups. Là où cause lui, quand il finit causer, peine à reprendre ça. Il finit à aller ça. Celui qui pas qu'on contrôle sur la langue, il est un vrai croyant. C'est un munafik. Un munafik qui pas prend compte sur la langue. Un croyant, il prend compte sur la langue. Il prend compte conseil qui dit mon djali. Parce que tout le monde fait erreur. Tout le monde fait erreur de causer.
Mais il y a des gens, quand on dit ce rire, il réfléchit, il accepte et il servit ça comme un rappel pour ne pas recommettre sa erreur. Ça, c'est le croyant. Quand il fait une erreur, il est rétracté. Pareil comme un sahaba. Comment il raisonne, fait la parole. Et d'un coup, ça, et d'un coup, en plus, et d'un coup, en moins. Le professeur Allah, ça, une forme de ce qui arrive à une limite avec formation, formation, vous finissez de protéger ça la langue. Avant qu'il nous continue, Imam Zuhri dit, mon assise avec beaucoup de ben sahaba pendant 40 jours. Vous avez entendu cette cause hadith. Je n'ai pas cause du tout. Je reste tranquille. Quand il y en a pour causer aussi, ça n'a pas dit le tala, récite hadith là. Dit le tala. Je n'ai pas causé. Si tu as une information, contrôle toute la langue. Attention, que tu as fait rire. Mais le munafique, non? Le munafique, c'est ça même, ce pli grand homme et ce pli grand faiblesse. C'est sur la langue. Pli grand fitna fin arrivé dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Pli grand incident qui n'arrivait. C'est la langue en munafique. La langue en munafique. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Li fin cause en mentilo. Aisha radiallahu anha. Li fin dit Aisha radiallahu anha. Fin en komiraz avec un sahaba. Un mauvais fitna fin arrivé ça. Les mondes musulmans de Madinat si devient balawo ça. Sur la langue. Beaucoup de dégâts à faire. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ayatul munafiq, si un munafiq, quatre petites choses. Mouen, idha haddatha kadab. Quand il cause, il cause menti. La langue, cause menti. Menti, il y a plusieurs formes, ça. Hein? Cause menti prémédité. Cause injuste. C'est un mensonge. Ou fait un verdict, l'un des gens qui n'y pas mérite ça. C'est un mensonge. Moi, je dis, ou un vagabond, alors qu'il n'y a pas vagabond. Mais c'est vrai, ou l'habillement, il y a un habillement d'une façon, et que ça vagabond à pied aller. Mais c'est un mensonge. Ça, c'est attribué à Mounafik. Quand il cause, il cause menti. Quand il donne un verdict, il cause menti de ce verdict. Ça, c'est attribué à Mounafik. Deuxième, quand ils promettent, ils contradisent cette promesse. Et aussi, quand ils placent confiance, ils trahissent. Et quatrième, quand ils causent avec lui, quand ils ont une dispute avec lui, ils viennent vulgaire. Ils viennent vulgaire. Vulgarité. Ils causent une cause honteuse. Ban cause qui dégoûtant, ban cause qui une madame pas capable d'entendre. Ça c'est attribué munafiq. Nous musulmans, nous pas seulement besoin servir nous la langue pour cause vraie, nous besoin servir nous la langue pour refléter l'islam. Nous la langue c'est le reflet de nos personnalités. Ça la langue là. Parce que un proverbe arabe dit « Ma fil ina yandahu » Quand on prend un pot en latte, un récipient en latte, on met de l'eau glacée là-dedans, on peut trouver « transpire en déo ». C'est même ça le proverbe là. Il dit « Ma fil ina yandahu » Ça qui est dans l'intérieur, ou personnalité antérieure, il sortit l'eau la langue. Il sortit l'eau la langue. Le hadith aussi dit ça. Ala inna fil jasad mudgha kone ki dawleko inan organ idha salahat salaha al jasad kullu likola net listab wa idha fasadat mekali gati fasad al jasad kullu likola ti li gati ala wa hiya al qalb silikia ki veut dire ou la langue c'est l'apparence de l'antérieur. Je ne trouve pas où l'intérieur. Je ne sais pas où l'écrire, moi. Je ne sais pas qui était dans la réalité. Mais seulement où la langue
donne-moi une idée qui ou était, qui ou causé, ou vulgarité indique comment un dimon était dans l'intérieur, ou grossièreté, ou causé qui ou peine à respect, non-respect de bonne personne, ou bien au mensonge, ou bien au l'arrogance. Tout ça là, ça bonne parole là, peut-être ou peut prendre lit gratis, non, il pas gratis ça. C'est reflet de ou personnalité à l'intérieur de vous. Sa parole là, très dangereux ça. C'est ça même avec ça même qui vous découvre un démon. Avec sa parole même qui vous capable d'identifier qui il était. Alors, le musulman, le croyant, le bizin, c'est qu'on tenait sur la langue. Qu'on comporte li pas sur la langue. Pas oublier nos hadiths, si tu es droite, nous pour droite. Si tu travers, nous pour travers. Si un démon sur la langue il n'a pas droite, ça veut dire qu'il y a un démon travers. Pas besoin de la route complice. Quand on cite les travers de sur la langue, quand on cite comme ça même les travers de sur la vie. Quand on cite les injustes pas sur la langue, comme ça même les injustes pas sur la vie. C'est une équation qui saute dans din ça. Fa'in istaqamta istaqamna. Si tu es droite, nous droite. Si tu es travers, nous travers. Qu'est-ce que c'est cette parole ça? Parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, musulmans, bizin, fais effort. Contrôle-nous la langue. Comment nous pouvons contrôler la langue? Qui encourage nous pour nous contrôler la langue? C'est conséquence qui nous pourra gagner dans l'au-delà. À cause de ça, nous devons veiller bien nous la langue. Un savant lui dit, un jour mon rêve, Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi. Il dit, mon rêve, Imam Abu Hanifa. Dans le rêve, il dit, mon père demande Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi. Imam, comment gagne sa quantité cadeau là? Comme si Imam Abu Hanifa vient d'un extra grand du monde. Il est un grand du monde, mais il vient comme un prince. Imam Abu Hanifa, qui dit? Comment il vient comme ça? Il dit, mon vient comme ça par quantité du monde, il cause moi. Quantité du monde, il cause moi, mon gain, je te récompense. Quand on cause un démon, pas me connaît où la parole, ça me dit la langue pénale les zones. On peut taper la langue là, on peut causer simple, on causer, une fini causer. Non, pour une fini causer, pour Allah il n'est pas fini là ça. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. N'importe qui mot qui saute dans la bouche, il y a un script, un ange qui écrit un mot là. Ça mot là enregistré ça. N'importe qui saute dans la bouche, il recode. Soit il peut jouer pour vous, soit il peut jouer contre vous le jour du Qiyama. Soit il peut jouer pour vous, soit il peut jouer contre vous. Dans la dunya, un démon cause, un cause est faux selon moi. Qui m'a dit vous en tant qu'un croyant? Vous êtes des fans de Molonéa. Vous n'avez pas le droit à God silence. Vous n'avez pas le droit à God silence. Faux ça, hein? Fait différence. Un démon il joue, God silence. Un démon il fait moquerie, God silence. Islam qui montre où ça. Mais un démon dit est volé, ou pas gagné droit God silence. Pas gagné droit God silence. Parce qu'ils aident, peine a pris ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu fais différence entre ça et là. Quand un démon tu peux dire il est fou, il reste tranquille. Dis-moi, j'ai les sorciers, il reste tranquille. Dis-moi, j'ai les foutiers des autres, il reste tranquille. Mais dis-moi, cause mentir au lit, il fait tout les autres. Sallallahu alayhi wa sallam. Une histoire. C'est un savant dire authentique, et un savant dire pas authentique, mais hadith là, il est vrai. Ce hadith là, c'est Man kathaba alayya muta'ammidan, falyatabawa maq'adahu minan nar. C'est lui qui cause mentir au moins volontairement, qui lui prépare sa place dans l'enfer. Et dans un contexte, une histoire de ce hadith-là. Ces histoires-là, comme on nous dit, il dit bête, il y a un savant, il est authentique. Mais c'est vrai, il y a une morale de là. Pardon. Un monsieur, plusieurs fois, il fait demande pour une madame. Banane refuse-lui. Un jour,
Il n'a allé l'eau énième fois, c'est pas le troisième, cinquième, pas connu combien de fois il n'a allé. Il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin envoie, il dit, moi, il se tifie en moi. Maintenant, qu'il faut faire? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'eau, je n'ai pas refusé, je n'ai accepté. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin gagne le message, il envoie Ali avec l'équipe Al-Tuyi Jimunla. Parce qu'il y a un danger pour l'islam. Mensonge, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est mensonge dans la religion, mais pour fausse dîne. Quand Ballain arrive là-bas, il en connaît quand il était, il finit mot, and say a point to Idi. And say a point to Idi. Quand il dit, mon peut cause mentir au moins, le mot droiture, le mot honnêteté, le mot personnalité, mon n'a pas gagné droit en tant qu'un vrai musulman, garde silence. Si vous gardez silence, vous lâchez. Et vous gagnez PC devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous êtes par aucun de nous ça. Allah de nous amanat ça. Ou l'honneur, c'est un amanat qui Allah met pour vous ça. Ou n'a pas gagné droit, les dimouns prennent ou l'honneur. Il dit à vous, faux grand matin tantôt, laisse-le, pardonne-le. Il dit à vous, voler. Ça n'est pas non. Il dit à vous, on a commis avec madame. Non. Il met en doute. Ou islam, ou pas gagner droit. Ou pas gagner droit, reste tranquille. Parce qu'ils étaient là, l'un de nous, ils disaient, préserve-les à manette. Comme au Lodounia, ils me défendent moi. Ils m'ont besoin de défendre moi. Bec et ongle, ils m'ont besoin de défendre moi de toute façon. Allah, il prend mon sens. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il défend lui. Ben sahaba, il défend eux. Quand il s'agit de le dire en jeu. Mais si mon fini mot, mais comment vous défendez-moi hein? Que ça ne défendez-moi? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui vous défendez-moi. Dans la dunya et dans l'akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala pour envoyer Djiboun pour défendre-moi. Mais c'est mal, il n'est pas fini la même. Pour vous avez une devant Allah subhanahu wa ta'ala. Atadrouna mal mouflis. Je te connais que ça n'a le grand faillite. C'est lui qui vient avec beaucoup de bonnes actions. En montagne, bon action. Les poupées a dit tout là. Parmi mon réseau, les fins a dit tout. Sur la langue. Chatama hada. Les fins fait dit tout, pas sur la langue. Les fins cause mauvais pour un tel. Kadafa hada. Les fins mettent faux sens loin tel. Ça, parmi 4 PC, ça dépêche là et sur la langue. Tout ce sawab, il n'a pas de victime. C'est même Imam Abu Hanifa dire, je ne cause moi, mon gars de sawab. Tout ce sawab qu'il est là, donne ce victime. Jusqu'à la fin, peine n'a rien qu'il n'y en a, mes amis. Peine n'a aucun sawab de ce compte. Prends un balnage de PC, mets-le ce compte. Ensuite, thumma turi hafinar, ensuite prends-le, zet-le dans l'enfer. À quoi ça, il y a une faillite. Il vient avec tout ce savoir pour les gagner un net, mais c'est mal les gagner l'enfer parce qu'il est fini de perdre tout ce savoir. Pour qui raison? Parmi la danse ou la langue. Alors donc, surtout, l'honneur du monde, sacré ça. Faire tout et rien, pas prendre l'honneur du monde. Inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun. Rasulullah s.a.w. dit, je dis ça. Sacré. Vous êtes l'argent, les sacrés. Vous êtes l'honneur, les sacrés. L'honneur du monde, les sacrés, ça. Pas jouer ça. Allah subhanahu wa ta'ala pour venir en tout avec ça, du monde là. Allah subhanahu wa ta'ala pour venir en tout avec ça, du monde là. Man hada li waliyan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith Qudsi. Man hada li waliyan, faqad adhantu lahu bil harb. C'est lui qui fait l'ennemité avec quelqu'un qui me compte en lui. Je déclare la guerre contre lui. C'est pour ça qu'il nous est très vigilant. Nous ne connaissons pas qui s'en a qui prose avec Allah. Qui s'en a Allah content. Je prends ma position si je la raison, si je peux défendre mon honneur, ou bien je peux rendre mon droit, pas de problème. Mais si je suis hasardé de reprendre l'honneur du monde, faire dit au monde, et ça du monde là, Allah content lui, ou pas connaissons qui arrive dans la vie. Ou capable qu'on gagne un diable, pas un diable, ça punition là qui descend l'eau.
Alors tout cela peut montrer nous, frères en islam, surtout dans l'époque que nous la prière pour Allah bien tigite. Nous, iman d'ailleurs, moul akhira bien loin, les flous. Pour le rendre compte, là, les flous, ça. À cause de ça, il est important qu'il nous garde silence. Nous faire amal nos actions, là, garde silence. Quand on a causé, bon, causé pour causer, reste tranquille. Pour qu'il ne nous pas fait ni rire, qu'il ne nous pas capable de réparer. Cause peu, et quand il a causé, cause quelque chose qu'il a causé. C'est ça, le message de l'islam. Pour qu'il ne nous pas faire dit au dimon, pour qu'il ne nous pas trouver une situation que moi envie de réparer ça, moi pas capable. Alors, voilà la solution. Men samata nadia. C'est lui qui fait garde silence et fait faire victoire. Nous faisons dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous protéger nous la langue, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas fait nous la langue vienne une source de nos catastrophes, de nos perditions d'akhirat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait pardonne nous pour errer qui nous fait faire et que nous la langue. Nous tous nous faisons rire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous, et qui n'importe qui dit qui nous fait cause lui injustement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne sa courage pour pardonner nous, et qui nous aussi accepter le pardon de nous, qui nous pas réfère à manière réparée. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Réponse à nos questions, et prie, ben frère qui nous fait participer. Et nous avons une première réponse, mais ce n'est pas bon. Première réponse, 19:56, c'est lui qui maintient un lien familial, Allah pour garder une relation avec lui. Non, il n'est pas bon. Deuxième question que nous avons gagnée, 19:56 même, c'est lui qui préserve le lien familial, Allah pour augmenter sa nourriture, ce risque, et augmente sa vie. Ça, c'est la bonne réponse. Jazakumullah khaira. Merci.